Notre société est une société de décolletage située à Cluses, en Haute-Savoie. Nous sommes actuellement 37 personnes et nous travaillons pour l'automobile, le médical, l'hydraulique et la machine-outil. Après une période de très forte croissance en 2005-2006, nous avons été contraints, obligés de déménager et de nous installer sur un nouveau site en fin 2007. Ça a été une vraie chance pour nous car nous avons pu regrouper sur un même site sept ateliers différents. Par contre, 6 mois après, nous connaissions la pire crise que le décolletage avait connue. Hein, je vous parle de septembre 2008. Et nous nous sommes trouvés avec d'énormes dettes liées au bâtiment, au déménagement, aux nouveaux investissements qu'on avait faits et une réduction de chiffre d'affaires de l'ordre de 40 à 45% selon les domaines d'activité. Nous avons attendu un petit peu trop tardivement et nous avons essayé un petit peu trop longtemps aussi de négocier amiable avec les différents partenaires que nous avions avant d'appliquer cette procédure qui a été parfaitement maîtrisée par Maître Méner. Je pense que le décolletage a sa place encore en France et en Haute-Savoie et dans notre vallée. La majorité de nos clients ont été séduits à un moment donné par les pays low cost. Ils sont en train de revenir à des achats beaucoup plus de proximité et beaucoup plus en calculant la totalité des coûts liés aux pièces. Et on parle maintenant de best cost plutôt que de low cost. Et la France et notre vallée peut être considérée comme une vallée avec des sociétés qui permettent d'avoir pour nos clients les pièces au best cost. On a eu la chance d'avoir trois interlocuteurs à l'intérieur du cabinet Méner. David Emmanuel, le fils de Maître Méner, nous a suivis, a déployé tous les moyens imaginables, avec du travail de semaine, de soirée, de week-end, pour essayer de nous trouver une solution amiable avec l'ensemble de nos partenaires. C'est lui aussi qui, au moment où il sentait que la conciliation n'était plus possible de par les doléances de chaque créancier, banquier en particulier, nous a conseillé le passage en redressement judiciaire. Ça n'a pas été facile, ça a été très rapide, ça s'est passé en 15 jours. Et à partir de là, nous avons eu affaire à deux autres personnes en plus, Magali Châtelain qui a pris notre dossier et qui s'en est occupée jusqu'au bout, et Maître Méner qui a toujours été là au moment où il y avait de grandes décisions à prendre. Donc ce trio nous a suivis jusqu'au bout et nous a permis, au moment où les négociations étaient les plus rudes, au moment où il fallait sortir le plan, d'obtenir des conditions qui nous ont paru très avantageuses et qui nous permettent aujourd'hui de rembourser complètement notre dette. La chance que nous avons eue dans ce dossier, que j'ai eue, je dis nous parce que nous sommes une équipe dirigeante de 3 personnes, avec Denis, mon beau-frère, et Paula, notre comptable, nous avons eu la chance déjà d'être 3 pour gérer ce dossier, et puis aussi et surtout d'avoir une vraie équipe en interne. La fierté que j'ai en partie dans ce dossier, c'est de dire que nous n'avons perdu aucun de nos salariés. Les gens ont tous été là, ont fait face comme un seul homme, et on a aujourd'hui la même équipe que celle qu'on avait en 2013 quand on a commencé. Tous ont donné du leur, hein. Tous ont vraiment avancé dans la même direction. Et ça, c'est très motivant pour un chef d'entreprise. En résumé, un grand merci à tous. Avec l'aide, l'appui de l'étude de Maître Méner, avec l'aide de nos salariés et avec le support de nos fournisseurs, on a pu garder nos clients et je pense sauver notre entreprise. On leur doit la vie.